Bisubinombote, Bandeko Balandi ya MKBZ officiel, Bino Bozali partout à travers le monde, Bozolanda Bisonangonga Oyo, merci Nabino, ba fidèle internaute, Bino Bozali Koko Bamikolonyoso, ko s'abonner na chaîne Nabiso, Bozali Koko continuer ko partager nos émissions, Bozali Koko continuer ko aimer yango, surtout Bozali Koko s'abonner Mikolona Mikolo, et le que Bongina Pise Bino Ezali, merci. Biso tozali na Kinshasa, Mikolo na Mikolo, tola mukaka na tongo kopesa bino information ya solo omwana kamari ya lobaka ezanga formol. Merci mingi na ba nyonso bazali kosunga biso en tout cas tika ke nzambe apambola motema malamu na abino iyope oyelelo mbala liboso otala chaîne na biso eloko liboso na kosenga yo commencer par s'abonner, commencer par liker et prenez aussi ce lien partager na ba proche na yo senga bango vraiment ba s'abonner à moment wana beaucoup plus biso makasi pour être to servir et bino ba information to kolobela lelo alors que babanda ki kozela ye akende naye ko tika lettre naye a démission comme prévu to ye komona ke kabonde Jean-Marc aye ko kuzwanzela ya kokende kotala misala ya stade oyo ya komikotonga na yebisaki bino quand même ke olinga olinga te Jean-Marc Kabund aza quand même bosi ya mboka par rapport ya momoni ya tongi ya col maintenant azo tonga stade. Alors tango bazuzule na parlement ki ende ko confirmer démission na ye ya kamati nzela ake na ye ko tala makambo ya stade oyo azali kotonga tokoki koloba nini il est pris dans sa propre piège amitié otobi azoyeba lisusu ko telemate atoyebi mais de l'autre côté boyeba ke tokosola pe ke badepita ye depes ba désavoué donc Kabund l'homme seul. On reconnaît bato mokolo ya pasi tokoki koloba le katumba mwa ke bis sor na ye zandengine en tout cas toyebi ite Tshisekedi Félix lobi a salaki annonce ya kupesa mbala moko go pona ba transacademia transport yo kobanda komema ba étudiant 100 bis présenter quelques chantiers bozala ki wana mais les réficatifs et salama qui parce que tout monde que ndenge to belela ki ba yoka ki biso et tout monde que ba retirer en réalité bilongi ya président ba tie maintenant bis mais na monde ba ko tia ba etija ya mindele donc ba ko kanga pe ba etija ya BTPT nao ya inikino ba cha na monde kaka na sima wana Bachalo Congolais ko linga siko yo mundele po za etidia po tsere da za mutu mwindo bia ba oza ta ba etidia na biso bakange bango me to moni deja ba che bango na ba logo wana eke ezala ke vraiment ya koloba cardinal Ambongo a se lancé na polémique oyo mboka ekufa alors ye pa ba di ko polémique autour na yango. Alors, le toko tchèle même bino koto vidéo makambo oyoye à l'obake et allez vraiment pas sina mawaya papa cardinal akende ko salape makambo ya ba réseaux sociaux. Mais lorsque bazali ko longola na l'obake yango boy, quand bozali ko bimisali kambo na contexte directement boko tombe na prétexte. Alors, Oyoye, chef de l'État à Lobaki, ce n'est pas ça. Donc, Batubakati na Katikati, et Nazo comme même le cardinal aussi, a kende kokuzo schéma wan. À Lobaki, toye ko yibate, toye ko bomate, et loko pe ko yibezate pour mboka yekufa. Mais toi côté les misa. Mais pourquoi si toi na bato bazolo bela yango te kozwa kaka mwa ndambo et ko mona pe tata cardinal ya biso ya lukumu akende pe ko tombe na ba je wana ya manipulation wana et pe biso motema pasi
dans un pays, par exemple, après 50 ans, il y a des choses qu'il faut critiquer, mais il y a des choses qu'il faut encourager. Mobutu atika société moko oyo bandu mba ite mabandu bengango Thompson o ba itija bazoma to koto fula fula bazoma talikolo. Aujourd'hui par exemple stango etidia a komi kozala quand même na accès na moi et le koan tozo longo limu tozo tonga ou pas est-ce que nyon se tonga mi te mais commencer ya koboya même oyo esi esali quand même moi pas ezali mabe. Alors moi je comprends pas comment papa cardinal a kokipe kokota na ba jeune ya ba réseaux sociaux et pesi biso mutema pasi to ebi pourquoi ko se livrer na ba jewana te et singela ki peut-être batie laye discours mobimba avant bazwa ka moi place au bato bakati pour na ba calcul na bango on a ba intérêt na bango moko ba yebi pourquoi bakatseki maloba wana mais voir papa cardinal na biso ya lokumu ko kende ko tombe pe na ba ils ont dit ils ont fait ceci et tout ça ezali penza malamote. Moi je reconnais que mboka na biso penza ekufa. Mais ezali esquise te pona Tshisekedi pona koloba ke non lokola kotaka mboka ya kokufa ye pa justifier yango non okuta mboka ekufa maintenant ezali yo na management na yo c'est supposé que oyaki déjà na ba planning moko ba thérapie benga thérapie ya choc pona ko redresser o esse kufwa peut-être ko telemisa yango ko réanimer yango ko pesa yango bomoi. Ça aussi ezali plan donc justification exacte mais il est que ça lingai passe comme on a que papa na biso cardinal yepe ba memeye na mopepe wana ezali penza malamote ba otuko putana mingi awa na bandeko ya yalamuka zala ko pesi mbwa mbwa boy jusqu'à tel point que ba kotela ki bango na niveau ya Yasenko. Alors, les Allemands, ils ont racheté, ils ont gardé la ligne naïe pour que les gens aient cessé, en tout cas, je préfère que Tolanda, Makambo cardinal à lobby, na Makambo Mboka Yekofi, et nous allons revenir juste après pour continuer la mission de Nabiso Mokolo ya Lelo. L'intérêt des individus, les conséquences, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, qui a été d'ailleurs dit par le président lui-même, le pays est mort. Bon, ça est tout fini. Mais c'est très grave. C'est très grave. Quand vous entendez ça, de celui qui est le numéro un, chargé de donner confiance et espérance au peuple congolais. Si lui-même est convaincu que Mboka est Koufi, qui va encore vous en sortir? L'intérêt des individus, les conséquences, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, qui a été d'ailleurs dit par le président lui-même, le pays est mort. Mboka est Koufi. Et c'est très grave, c'est très grave. Quand vous entendez ça, de celui qui est le numéro un, chargé de donner confiance et espérance au peuple congolais, si lui-même est convaincu que Mboka est Koufi, qui va encore. Voilà, je crois que Bolandé, papa Nabiso, cardinal Ambongo, Makambo, Oye, Ye, Alobé. Donc, mais c'est pas ça, et c'est un gélé, qu'on maloba, oya bandela, qui n'a pas de bandeli, avec un de kokoumana, moi, parti wana, bolongoli, angona contexte, mais ali, penza, malamouté. Alors, bande konangaye, ndenge na ibisa kibino, toko solo la likambo, oyo, to kofande la moi mingi, ezali likambo, batu babanda ki kozela lobby.
Jean-Marc Kabund akokende to akokende te, mais finalement lobby to moni yete na niveau ya parlement. Alors pourquoi aye na parlement te? Est-ce que tokoki koloba ke Jean-Marc Kabund makamboyo abanda ki kosala ayebaki ba conséquences nangote? Est-ce que tokoki koloba ke Kabund aujourd'hui azali rattrapé yemoko na makambo abanda ki koloba? En tout cas espèce biso mutema pasi, mais au moment que babanda ki kozela ye Jean-Marc Kabund akeyi kotala stade, je crois que tokoche la bino ba photo botala koma az stade ya waya waya, ce qu'on nous a pris na Kingabwa. De l'autre côté, Bazo Zelaye, na niveau il y a un parlement. Parce que depuis qu'il avait annoncé démission naye na Twitter, ba proche naye ba lobaki akozonga simate et que babanda ki ko Zelaye na niveau il y a assemblée nationale aya lobby aya ko officialiser likambo naye oyo a déclenché qui. Alors Simana yango a monanite bato bakomi koloba ke no amitié otobi a lobaki likambo a meziraki ampleur na yango te. Maintenant bakomi kozele na tourna e komi pasi bomone, par exemple Mboso oyo akienda ke painaye ko asireye ko pesa ba makambo nyonso directement Mboso a zuita ya ko s'expliquer lobi toute la journée pour na koloba ke ya kenda kite net na cadre ya ko trahir président net ma da ko sala front na Kabund, mais ya kenda ki juste kenda ko réconforter membre ya bureau oyo likama e komela ki ye tout le monde ba komi ko changer langage et Kabund se retrouve maintenant seul isolé. Alors l'effet ka ke ilobité kotia démission na ye elingi kolakisa ki ndebolo bakana linga la bilia ki ye bikoki, parce que je crois que abanda ki koluka voa moko ya malamu oyo akoki kobimela yango, mais en tout cas moni ke komi tard pour déjà même bomo ya ke Mboso lobaki ke non moto ko déplacer kona ki mate ke o balobi ke non soka na démission na ye moto ya mba yango te ezali bongo te. Bato bazali kuna babandaki kozela Jean-Marc Kabund aya kotika démission na ye. Bato bayaki epa na ye ayebisaki bango keno ayoki bango ako répondre, mais les informations notre possession, en tout cas Kabund il faut le conjuguer au passé, il faut le conjuguer au passé et rien ne marche. Et comme d'habitude Ngoika Sanji oya kenda ki komona ye abimelo kola mwana mawana coin, c'est l'un tweet na ye a lobby, en tout cas ligne rouge et c'est déjà franchi. Et en politique il n'y a pas des hommes providentiels, Kabund en tout cas na logique oyo ke non ye akoki kozonga simate. Mais de l'autre côté ba lobby OK basi bandimiye azonga simate, mais ye moko Kabund aya ko officialiser yango abandi maintenant ko tatone version mususu bape singai kakande na bisaki bino biloko ngo ndenge zalaka directement baye komo na ke soki bandeko bazalaki on parle si c'est ndeko Fatou Mobali na yes dengini il y aurait déjà plainte moko déposé contre ye na cour de cassation. Est-ce que to bandi déjà schéma ya ba mbutu mbutu? Est-ce que to kay maintenant tout droit na schéma wana penza penza ndenge sengeli? En tout cas na koki ko confirmer te, mais nous apprenons déjà que plainte moko et c'est chami contre Jean-Marc Kabund pour na yango to ebite, et même soda oyo oyo ba botola ki munduki, il paraît que ake uchepe plainte contre Jean-Marc
attendons voir tournir en gondenge et kokende. Mais ndenge na yebisaki bino ke selon ba source belé bureau ya assemblée nationale et bandaki kozala ke kabunda aya lobby ko officialisé en tout cas démission aye aye na yete ake kotala makambu ya stade. Plan B ezanin. Plan B, je crois, comme confiance, ezali susute. Kabound risque encore de yako revivre scène ya liboso. Yandengenin, yako loba keno, zela ya motion eko landaye. Oui. Toko koma lisusu, nakao ekomela kiye nandenge ya motion. Parce que lobby, na landi ndeko Eliezer a lobi clairement que eloko tikali po na ye comme e komi mbutu mbutu boye ezaka ka ko démissionné ko sauver po na ye sinon pas azomona te lo lenge nini mususu ya koki kobika le chemin o ye kozala mise en place ezali ya kolongola ye na makasi soki penza ye andimité. Alors, je pense que Ekozala Penza Malamute, et moi, en tout cas, je pense à mon humble avis que avant Yakosala Likambwa, je que je nouvelle page déjà tourné à Meziraki Yango. Et chose grave, Oya Salaki, Naba sorti Naye, Abandu Kranga Photo, Naba Mouvement Citoyen Yaba Lusha, même les gens qui étaient hostiles au président Babondi Sakaye, a komi ko yamba bango, est-ce qu'ils ont préparé voie ya kokende opposition, en tout cas toyebite, même pour ne pas subir, kao ekomela kiye liboso, je pense qu'il était grand akeno, a kende jusqu'au bout ya logique naye, c'est-à-dire à présenter démission naye, comme Yemoko Alobaki, et en ce moment-là, à cause à la grande. Alors, ipso facto, parce que Ezali, le poste qu'il occupait na niveau de l'Assemblée nationale comme premier vice-président, il n'occupait pas ça na titre individuel, mais il occupait ça au nom ya IDPS. Donc, ce qui veut dire que Mbalamoko, en posant cet acte, il est directement, il faut tirer la conséquence Oyo qui a occupé, cause à la soussouté, même à niveau, il a parti. S'il veut rester, mais la fonction, wana crise et si et côté. Bon, mon aki le lengenini, batu babima qui de partout, dans des conditions un peu très floues, obiso tokoki kolobelate. Donc, la logique, na niveau tokomi, et le sujet marqué a hésité, a son courage naïe. Je ne sais pas tout est possible en politique. Moi, je ne suis pas dans le schéma wana. Je leur avais dit de prêcher l'unité. Mais, na ba élément na zana yango et commis vraiment mon boulot na stade haut. Surtout que beaucoup de gens pensent que Jean-Marc est devenu l'homme nari ya Katumba. Moi, que c'est lui l'homme clé du régime. Alors, et l'occasion est mon ami. En tout cas, il faut en finir avec lui. Ses adversaires ne lui pardonneront jamais. Surtout que Makambuye Komi est belé, et à un niveau il y a armée, et à un niveau il y a la police, et à un niveau il y a politique. Bato est belé, ba moni que Jean-Marc a sali yango de trop. Et que bas une occasion il y a qu'au régler y au bango bako benga ba compte mais le plus important dans le bagu toujours distraction ou en abasali ko engager les lots et que permettre bango te ba travailler pour le processus électoral au Ezali en 2023 na bandeli les sous l'histoire politique de la République démocratique du Congo et elle subit ce boy Ezali n'a parti mon côté à lui seul qui est arrivé à gagner lui seul. Les élections toujours n'a pas coalition, n'a pas stratégie. À l'heure actuelle, il était grand temps, va profiter stratégie. Le lengeni ni bakoki kozala ensemble, pe bazo travailler
pour nous relever les défis. Mais malheureusement, nous les avons vus. Nous avons une distraction inutile. Au lieu que nous devons travailler pour l'intérêt du Congo. Ça nous fait très mal. Nous allons choquer Bissot et tous les comitouna, ceux qui bazoyeba et le konini bazoluka. Mais, Nangambo Moussous, Bolanda Kike Kabound a été désavoué par le groupe parlementaire Nyonso, il y a Union Sacrée. Baloba Kinaye, Ponaye, en tout cas, chef Bazami Balete, Ponabango. Baby chef Bemoko, Kombo, Félix et Tshisekedi, Tshilombo, mais lobby maintenant, ce sont les députés, il y a IDPS, Oyo, maintenant il y a parti Naye. Ba groupe parlementaire quand même, Bango Bachaki, Maï Navigno, Bazala KMP, Likolo, Likolo. Mais quand il s'agit maintenant, Naba, député à IDPS, Balaché Kabound. Ce que vous pouvez comprendre comment politique est Zalaka. Même Bamoussous, Bazalaki proche naye, pour na likambo moko songoloto pakala lelo, Kabound amikuti iye moko. C'est là où je vous dis que confiance de source entre Kabound na président et Zate. Il y a des signes qui ne trompent pas. L'obitant on a landi. Citoyen Mbosso, Kobanda ko s'expliquer, Kobanda ko réqualifier, conteste nin, oyoye, akendaki, kotale la Kabound, j'ai compris que Yango sur roche. Ça, je peux vous dire. Tango namoni ba président, ya ba groupe parlementaire, Koyali Sous, je dis Yango sur roche. Maintenant, le plus important, Nesika Tokomi Lelo, est-ce que Kabound a utilisé ma voie à négociation? Je pense que c'est difficile. Un homme politique, le vin est tiré, il faut le boire. Moyen Ezali Sous, paix. Tobanda qui n'a pas présent à groupe parlementaire. Maintenant, déclaration, on a Kotang et Labino, ils ont le sous-sous, il y a un groupe, ils ont maintenant un député, maintenant il y a IDPS. Oh, vraiment, maintenant il y a parti, naye y a sali déclaration. On a sali Kotang et Labino déclaration, on a Bango. Maintenant, entre-temps, si on trouverait vidéo, mais le plus important d'abord, c'est la déclaration. Au basali lobby na palais du peuple au moment où yo Jean-Marc pour batunyo sur bébé que lobby en tout cas même approche naye Kabound akoyako demi akoyako officialisé parce que le baki a démissionné wana c'est le baki yango mais au moins et soka kana Twitter te et singela ki aya akomisango na papier ba kize réception. Et Bimaya Solo qui l'a démissionné. Alors, à la veille, le président du groupe parlementaire, le lobby, Mboso va nous expliquer. Maintenant, il y a un député, Oyo nationaux, Bazali Eli, na liste, il y a IDPS. Tu sais qui dit, Bazali, il y a parti, vous n'avez pas. IDPS, déclarons solennellement ce qui suit. 1. Réaffirmons notre soutien total, indéfectible et sans faille à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police, et l'assurons de notre inconditionnel accompagnement pour la réussite de son premier mandat, ainsi pour la conquête et le succès de son second mandat constitutionnel au service du peuple congolais. Les députés nationaux de l'IDPS n'accepteront aucune atteinte à la stabilité des institutions ni aucun outrage envers le président de la République, peu importe son auteur ou ses auteurs, et une telle manœuvre
sera perçu comme un acte de haute trahison contre la nation. 3. Réaffirmons notre soutien indéfectible aux forces armées de la République, à la police nationale et aux services de sécurité dans l'accomplissement de leur mission de protection de l'indépendance et de l'intégrité du territoire national. 4. Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et l'unique autorité de référence de l'IDPS et de l'Union sacrée de la nation. 5. Demandons aux structures compétentes de l'UDPS d'intervenir sans délai afin de tirer toutes les conséquences qui s'imposent pour la bonne marche du parti au pouvoir, la réussite du mandat présidentiel en cours, ainsi que la conquête et le succès du second mandat. 6. Désavouons notre collègue Jean-Marc Kabound Akabound et prenons acte de sa décision de démissionner des fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'il occupait au nom de l'UDPS et non pas à titre personnel, et de ses autres fonctions au sein du parti que nous devons continuer à consolider ensemble pour servir les intérêts de notre peuple. Lundi 17 janvier 2022, le gouverneur de... Je vais vous lire. République démocratique du Congo, Assemblée nationale, troisième législature de la Troisième République, groupe parlementaire CAP pour le changement, CASH, caucus de l'IDPS. Déclaration de soutien des députés nationaux de l'IDPS à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous, députés nationaux de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, considérant les événements survenus le 12 janvier 2022, peu avant le retour à Kinshasa de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Considérant que le président de la République est le premier institution de la République et qu'il représente la nation et le symbole de l'unité nationale. Considérant que depuis son élection à la magistrature suprême de notre pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a cessé de consacrer toutes ses forces à la promotion du bien-être des Congolais, à la construction d'un Congo puissant, prospère dans l'unité et la paix. Considérant que les députés nationaux de l'IDPS ne seraient restés insensibles à tout ce qui touche de près ou de loin la personne du président de la République, la dignité de sa fonction et de sa sécurité. Conscient de nos responsabilités devant Dieu et la nation, vu la gravité et l'urgence, déclarons solennellement ce qui suit. 1. Réaffirmons notre soutien total, indéfectible et sans faille à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces, des armées et de la police, et l'assurant de notre inconditionnel accompagnement pour la réussite de son premier mandat, ainsi que pour la conquête et le succès de son second mandat constitutionnel au service du peuple congolais. B. Les députés nationaux de l'IDPS n'accepteront qu'aucune atteinte à la stabilité des institutions, ni aucun outrage envers le président de la République, peu importe son auteur, ses auteurs, et une telle manœuvre sera perçue comme un acte de haute trahison contre la nation. Les députés nationaux de l'IDPS réaffirmons notre soutien indéfectible aux forces armées de la République, à la police nationale,
aux services de sécurité dans l'accomplissement de leurs missions de protection et de l'indépendance et de l'intégrité du territoire national. Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et l'unité. Son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et l'unique autorité de référence de l'IDPS et de l'Union sacrée de la nation. Demandons aux structures compétentes de l'IDPS d'intervenir sans délai afin de tirer toutes les conséquences qui s'imposent pour la bonne marche du parti au pouvoir, la réussite du mandat présidentiel en cours ainsi que la conquête et le succès du second mandat. Désavouons, waouh, notre collègue Jean-Marc Kabound et prenons acte de sa décision de démissionner du fonction du premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'il occupait au nom de l'IDPS et non pas à titre personnel et ses autres fonctions au sein du parti que nous devons continuer à consolider ensemble pour servir l'intérêt de notre peuple. Fait à Kinshasa. Le 18 février 2022, les députés nationaux de l'IDPS. Donc, wana bomoni vraiment, en réalité, comment ba député, il y a IDPS, je verrai le paragraphe 6, balobi, désavouons notre collègue Jean-Marc Kabound à Kabound. Et prenons acte de sa décision de démissionner de fonction du premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'il occupait au nom de l'IDPS et non pas à titre personnel et ses autres fonctions au sein du parti que nous devons continuer à consolider ensemble pour servir l'intérêt de notre peuple. Déjà, vous comprenez, Makambuna Loba Kilobi, Ndeko Moko, à commenter na commentaire na si na ibisi na bandeko au moins nous cela tout salaka au fin de quand même peut-être aux commenter il faut quand même le fils que moi minimum il y a respect parce que tout le monde est sale. Il m'a posé la question, mais est-ce qu'il y a un lien? Vous comprenez ma cambozo le bate, quel est le lien entre postes et le coéquipé na parlement na oyo kozala na parti politique? Je vous ai dit qu'on a en politique, les deux est lié. Maintenant, aujourd'hui, le député y a IDPS. Quand on a combo na bango, na liste où na zanango awa bango ba signé, bazali vende. Baza vende, bango nyonso ba signé. Balobi ba désavoué Kabound. Donc Kabound est lâché. Et tango ba désavoué Balobi poste ya banda ki ko occupé na niveau ya parlement abandi ko occupé yango te lokola Kabunda titre personnel te il occupé sa fonction au nom ya parti ba ya musika koloba ke même d'autres fonctions qu'il occupé au sein du parti et sengela tika yango comme ça ba to ba continuer ba cinq même ba structure ya parti ba telema pour être ensemble, bah mais qu'on continue dans l'unité. Donc, Kabound non seulement bah le but est basé, Mukano y a qu'on démissionné naie, mais même na parti, bah l'ingatier qu'a place. C'est ce que je vous avais dit. Est-ce que lui Kabound a condima, toi condimaté, a coquende, toi coquende te, parce que jusque lobby, bango bah le but est basé. Acte qui a l'ingé à démissionner. Alors, bongo, ce qui a démissionné, ça, je peux vous dire, il faut retenir que Bako Kende naye na lolenge ya motion. À cause de motion. Donc, s'il veut, na crédit et zali soussouté. Confiance et sili. En tout cas, je pense que Eza Mawatro. Soit, carrément il démissionne. S'il veut sauver sa peau. Ah oui. Confiance et ça lui sous-souté. Que ça soit na parti, que ça soit na nini.
même jour même appris que non, ba mandataire, il fallait baser là déjà, je crois même la semaine où il est kaki. Mais j'aurais même appris si c'est vrai, na ba makambango peut commis balobaki, que non même les gens, oh yo ba cause là toujours na obédience na ye, je sais pas ceux qui ba cause là na contexte oh ils sont le plus favorisé. Donc et puis si mon boulot et Jean-Marc, on va le pousser à la démission. S'il ne démissionne pas à cause de motion, il peut permettre qu'il y ait à l'ongwa, à tika, à bisika, ndenge batunyonso. Pardon, ma salle est déminée. Voilà, donc, tout ce qui est là, il y a vraiment ce qu'il va faire. Mais aussi pour garder l'harmonie entre l'armée et la police, tout le monde est vraiment. Parce que Moutoum Boutoua na ebiminet la police na armée ba yoka na kate bo mona ki unité ya JR na la police na Moutoukawa na opesi mbwa mbwa boy ezala ki vraiment Moutoum Boutoua. Alors pour nous garder ko la ki sa image ya ki il n'y a qu'un problème entre l'armée et la police, je veux vous laisser suivre général y armée Mbala avec ou ya la police Basangiseki bango nyonso pour faire passer un message et nini balobaki. En tout cas, je vais vous laisser suivre Bolanda Yango. On revient juste pour nous. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussa Célestin, a présidé ce mardi 18 janvier 2022 une parade mixte FARDC-PNC au quartier général des forces armées au camp lieutenant-colonel Kokolo. Dans son adresse aux militaires et policiers, le général Mbala a appelé ces derniers à cultiver l'amour, entrer à être unis et avoir une franche collaboration. Pour le chef d'état-major général, les missions assignées aux forces de défense et de sécurité sont complémentaires, d'où il faut une cohabitation entre l'armée et la police. Mbote na bino baso! Mbote na bino baso! Masolo ya biso ya lelo. Etali bolingo. Bomoko. Mpe boyokani na kati ya force armée na police na biso. Force na biso ya sécurité. Mission etali force armée na police. Soki botali malamu. Ezali presque ndenge moko. Nde yango esengeli po tokoma na misala na biso tozala na boyokani bomoko na bolingo. Na oyo etali force d'armée. Nalobaka yango mingi, misio na biso ya liboso ezali constitutionnel, ezali ya kokenge ya mboka na biso na ndelolo nango mongona akota te. Le numéro 1 de l'armée en outre a demandé aux militaires et policiers d'adopter un comportement exemplaire, de manifester le patriotisme, d'être apolitique et loyaliste. Un défilé des éléments de la police et de l'armée a été organisé au terme de cette cérémonie. Voilà, donc c'est ça. Ndebomoni, harmonie, il fallait Isala, la force armée Nabiso, Bazala ensemble. Est-ce que vous allez abonner? Continuez à vous abonner. S'il te plaît, partagez ces liens. Nabatunyons. Aba groupe WhatsApp. Partagez ces liens. Nabandekunyonso. Bayeba. Nakotala. Soki penza. Isali malam. Si le Seigneur ne revenait pas, en tout cas, gana toujours na deuxième numéro.